dans tes mains, Seigneur. Là, tu es très concentré. Tu écoutes attentivement la prière et tu dis simplement Amen à la prière et Dieu fera quelque chose ce soir. Éternel Dieu tout-puissant. Yahweh, tu n'as pas de limite. Amen. Seigneur, tu as pris toutes les dispositions pour que ta parole puisse être enseignée avec succès. Amen. Voilà pourquoi tu as dit, toi-même tu seras avec nous jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Yahweh, en ce soir, ce n'est pas le nom d'un autre qui doit être élevé, si ce n'est que ton nom. Nous t'élevons Jésus au-dessus de toute maladie. Amen. Au-dessus de toute malédiction. Amen. Et de mauvais entendements. Car un seul nom nous a été donné sous le soleil. C'est ce nom de Jésus. Et nous croyons, très Dieu, que le cœur seront disposés pour recevoir ta parole. Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Car oui, Dieu, tu as dit qu'il vous était avantagé que tu t'en ailles. Et certainement tu es parti. Laisse-nous vivre les avantages dont tu nous as promis. Les faveurs de David soient notre partage. Afin que Jésus nous disons, tu es le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Ouais ton serviteur et ouais nos oreilles. Afin que Jésus, que toi, saint, tu sois enseigné. Depuis le prédicateur jusqu'à notre foi. Car Jésus, la foi vient de ce qu'on entend. Et si seulement cela vient de la parole de Christ, Christ soit en action. Nous appelons tous les esprits qui s'opposent à l'avancement de cette œuvre, à se fléchir et à dégager cette œuvre. Oh. Au nom de Jésus. Oh. Père de gloire, nous savons que tu as dit toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet. Amen. Tu es capable d'écrire une histoire de cette assemblée. Tu es Dieu qui donne les commencements. Et même quand nous sommes faibles, tu es capable de nous réveiller parce que Jésus, en toi, a la puissance de la résurrection. Si la mort a obéi à toi, qu'est-ce qu'une résistance possible? Oui, notre Dieu, ils peuvent résister, mais ils finiront par tomber. Pharaon a commencé à résister, mais à la fin lui-même a dit, fuyons, car l'Éternel combat pour nous. Oui, Jésus, à chaque combat, la fin, c'est notre victoire. Que cela soit ainsi, dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Je crois que Jésus-Christ est avec nous ce soir. Et toi aussi, tu crois qu'il est avec toi ce soir. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Nous allons prendre notre texte. Et donc, on va aller comme un abisso. Nous prenons psaume 89. Prends ta Bible. Tu peux utiliser la Bible. Psaume 89. Mon canal en zembo, mon caponatou, mon binaligo. Le verset 22. Tala tala, ya zomina mi bale. 22. Jusqu'au verset 28. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ma main le soutiendra. Et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Et les méchants ne l'opprimeront point. J'écraserai devant lui ses adversaires. Écrasé Kouniata. Et je frapperai ceux qui les haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui.
Et sa force se révélera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur le fleuve. Lui, il m'invoquera. Dieu mon Père. Mon Dieu, et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né. Le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté. Et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme le jour des cieux. Nous prenons le chapitre 23. Des psaumes toujours. L'Éternel est mon berger. Yahweh azali mobateli nandai. Je ne manquerai de rien. Na kozana eloko mokote. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Ye azofani sanai na matiti ya mobes. Il me dirige auprès des eaux paisibles. Et pe azokamangai na mayo ebongi malamia. Mayakimia. Il restaure mon âme. Yazali ko sikola molema nandai. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Et à cause de son nom. Et le verset 5. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires. Tu oint d'huile ma tête. Et ma coupe déborde. Oui, Io. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que le Seigneur bénisse les écritures que nous venons de lire. Je crois qu'au cours de notre prédication, nous allons donner d'autres écritures. Mais je demanderai seulement ton attention. Parce que les choses que nous disons sont très importantes. Tu dois maîtriser ces choses bien aimées. Vous allez vous souvenir. Lors de notre première intervention, j'ai dit que nous sommes venus avec la même pensée qu'avait le frère Paul. Il avait dit que le combat que je soutiens pour vous est grand. Vous, mes frères, qui êtes à Colosse. Et aux frères qui sont à Laodicée. Il est en train d'expliquer ce combat. Il dit en fait que vous avez le cœur rempli de consolation. Donc pour Paul, quand il combat, et un oiseau Bouddha, c'est pour que les saints soient remplis de consolation. Si un saint a un problème, qu'il puisse obtenir la solution par le biais de Paul. Et Paul est un soi. Non, si les saints ont un problème, par le chemin de Paul, qu'il obtienne la solution. S'il est dérangé par un mauvais esprit, que par la prière de Paul, qu'il puisse être délivré. Donc Paul était aussi là pour donner la solution au saint. Et Paul est là qu'on a fait quoi? Il dit deux. Alors bien dit balai. Enfin qu'ils aient le cœur rempli d'amour. Et pas que pas ça m'a mis. Donc quand Paul travaille,
travaille pas afin que les frères se divisent. Il ne travaille pas pour que les frères deviennent des ennemis. Non. Il travaille pour que l'amour de Dieu abonde dans le cœur des croyants. Amen. Amen. Il travaille pour réconcilier Dieu avec les hommes. Et les croyants entre eux. Et croyants. Il dit enfin qu'il soit rempli. Là, c'est la troisième phase de son combat. Il dit enfin qu'il soit enrichi. Et la connaissance du Fils de Dieu. Et sont plus que toutes les trésors de la science du monde. Donc, quand il travaille comme serviteur de Dieu, il voudra que les gens puissent comprendre ces choses. À la limite de la connaissance que Dieu lui a donnée, que les gens soient enrichis de ce qui concerne Jésus-Christ. Amen. Lisons d'abord cette écriture. Nous prenons Colossiens. Aussi, mon canard, Colossiens. Nous prenons Colossiens, le chapitre 2. Colossiens, mon capo, Namibale. J'ai mis à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Natani, Tata, la Liboso, qui nous a la chance. J'ai mis au nom de Jésus-Christ. Natani, la Comme les choses, en effet. Na Lingi, voyez, tu es là. Colossiens 2. Colossiens au cap de la je veux en effet la ligne, oui, que vous sachiez et que vous voyez combien est grand Marabouni et Zali Moulin le combat que je soutiens pour vous et tout Marabouni et Zali Komouna Ponabino et pour ceux qui sont à la Odyssée et paix pour la Marabouni et Zali à la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage à la chair et paix pour la Marabouni. Donc quand le frère Paul combattait, il combattait pour les frères qu'il connaissait et pour les frères qu'il ne connaissait pas. En ces temps-là, même pour nous aussi aujourd'hui. C'est pourquoi ces enseignements sont très riches pour nous lorsque nous les prêchons à l'église. Il dit afin qu'ils aient les cœurs remplis de consolation. 1. Alors il point que l'idée de la maman est tonne à la commande du Samaya Liboso. 2. Yamibale, qu'ils soient unis dans l'amour. 3. Qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence. Alors il point que pour connaître le mystère de Dieu. Et savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés, ma bombe mine en zéro wapi. Christ est un mystère. Mystère, l'imbombe mine en zéro wapi. Sont cachés en zéro wapi. Bombe tous les trésors de la sagesse et de la science. Bonjour, soya, maïele peya, boania. Donc le Christ. Christ, c'est le mystère de Dieu. Dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. C'est pourquoi nous prêchons les grâces de David. Amen. Nous sommes arrivés dans une étape. On a dit. Non. Dieu a dit. Je mettrai sa main sur la mer. Et son bras sur le fleuve. Je ferai de lui le premier-né. Le plus élevé des rois de la terre. Ces choses bien-aimées. Tu dois les saisir. Tu dois bien les maîtriser. Parce que tu es le fils du royaume. Nous, on n'a pas un autre
venir vous prêcher ces choses. Seulement dans les assemblées des saints. Seulement dans les églises de Dieu. Si là dans d'autres églises, là-bas c'est le théâtre. Où est la ligue au Satan? Tu regrettes même pourquoi tu y es entré. Yo, on ne voit pas si pas de nous qui est là. Amen. Parce qu'il n'y a pas un enseignement de qui donne la vie là-bas. Zambie est allé dans l'idée à Dieu d'aller vous faire savoir. Là-bas, Dieu ne leur a pas révélé le mystère. On a Zambie à fumer les mamans ma bonne amie. Ici, le Seigneur nous a donné ces choses. Parce qu'il y a Zambie à passer les sommes à ta porte. C'est pour vous les dispenser. Et Zambie la vie n'a pas rien à voir. Que tu sois intelligent dans ce qui concerne l'Église de Jésus. Payons dans la maille de Noé et à Jésus Christ. Ce n'est pas seulement reçoit la guérison. Et d'accord, c'est bien. On a payé ça malade. Mais beaucoup plus Dieu aime ça. Parce que si tu comprends l'enseignement, c'est le début de ta délivrance. Parce que celui qui te délivre, c'est celui-là qui est puissant. Pourquoi nous prêchons sur les faveurs de David? Alors, il mettra sa main sur la mer. Son bras sur le fleuve. Je ferai de lui le premier-né. Le plus élevé des rois de la terre. On a vu essayer d'expliquer ce langage-là. C'est quoi la mer? C'est quoi le fleuve? On avait dit que ce sont les nations de la terre. Où c'est le monde entier. Mais le Seigneur en a parlé en termes de la grande mer. On avait pris quelle écriture? On avait pris l'écriture d'Apocalypse 17. Le verset 15. Amen. Aujourd'hui, je ne vous sens pas. Amen. Amen. Je chasse l'esprit des distractions au nom de Jésus-Christ. L'esprit qui vient d'embrayer le saint au nom de Jésus-Christ. Parce que Satan n'aime pas que vous connaissiez ces choses. Si vous connaissez ces choses ici de l'Apocalypse, les choses que nous prêchons ici, hein? La promesse est que vous aurez part à l'arbre de la vie. C'est pourquoi il essaye à tout prix de vous endormir. Il faut les lui résister au nom de Jésus-Christ. L'ange lui avait dit, moi ça y est, il s'est garde ces paroles aux gens. Maintenant, les paroles que je t'apporte, malheureusement, sont véritables. Et la seul est certaine. Il n'y a pas les alliés de le Dieu des esprits des prophètes. Il m'a envoyé pour te les apporter. L'ange lui-même confirme. Moi, c'est lui qui m'a pas envoyé. C'est la parole de l'Apocalypse que je viens te donner ici. Sont véritables. Il y a un solo. Et certains. Il est venu du ciel. Il est venu du ciel. Il est descendu dans la prison. Il a donné à Jean des paroles véritables et certaines. Je ne crois pas que Satan te laissera entendre ces paroles. Amen. Amen. Nous lisons les Écritures. On dit ceci. Chapitre 17 d'Apocalypse. Le verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles
Nanzela wapi? Sur Nicolo. Nicolo? Ya wapi? Nicolo wapi? La prostituée est assise. Masidouba, Vani, ce sont des peuples. Ya Mozali, Mabota, des foules, des nations, Nicolo et des langues. Et père, Makota. C'est difficile. Ce sont des peuples. Ya Mozali, Nicolo, des foules. Il est là des nations, des colons et des langues. Pe ma kota. Ici, Awa, le Seigneur est en train de montrer. Kono azotelisa. La mer, Bibale, les fleuves, Bamaï, c'est le monde. Et ça, mon kin. Amen. Amen. Et on a montré sur le monde. Et la taille de Nicolas Mokini, une femme prostituée est assise. Moi, si nous m'avons pas fait, il y a une bête là-dessus. Et bien, d'aller la niamana de Nicolas. On avait pris quelle écriture? Tous ceux qui nous ont dit, le chapitre 13. Mon capona sominamisa. Garde ce mot ton appareil comme ça, ça va entrer. Le verset premier. Et moi, je dis, sominamisa, ton capona libosso. Puis, je vis monter de la mer. Et puis, dans mon une bête qui avait 10 corps. Et cette tête. Et sur cette tête, 10 diadèmes. Et sur cette tête, des noms de blasphème. Et la bête que j'avais vue. Monaki était semblable à un léopard. Yakobanaki na koi. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et ma colère qui au pas un gombolo. Et sa gueule comme une gueule de lion. Et mon colère pour la monoconacosse. Le dragon lui donna sa puissance. Dans la bonne apaisse qui est ma cassinaï. Et son trône. Cela veut dire que c'est lui qui domine les nations. C'est lui qui domine les peuples de la terre. C'est lui qui a l'autorité. C'est l'incarnation même de la puissance de Satan. Aujourd'hui, c'est dans les puissantes nations de la terre. Mais le Seigneur fait une promesse à David. Il dit qu'il mettra sa main sur la mer. Et son bras sur le fleuve. Cela veut dire quoi? Et David va écraser la puissance qui domine le monde. David va écraser l'autorité de Satan qui domine le monde. David Amen. Amen. Le monde entier aujourd'hui est sous la puissance du malin. Lorsque Adam a perdu l'autorité, cette autorité-là était revenue au diable. Et il a commencé à dominer le monde. Et comment il a dominé le monde? Il a commencé à élever sur la terre des puissantes nations. Amen. Donc il a dominé le monde. En son temps, on a même bâti la tour de Babel. Amen. Amen. La tour qui n'avait pas plu à Dieu. Mais ce qui nous a mettés. La tour de Félo. Et Félo, c'est dans qui n'avait pas.
pas plu à Dieu. Oui, c'est pas ça qu'ils avaient dit. On a vu l'Égypte s'élever sur la terre. Et de voir l'Égypte dans le temps, maman, maman. Comme une puissante nation. Le voilà. Et l'idée de l'Oyo. Et son cons à ma tasse. L'idée de Joseph. Nathan Moïse. Et l'idée de Moïse. Et puis Nathan Moïse. C'était l'Égypte qui dominait le monde. Et si tu te demandes qu'on cons à mon fils. C'est pourquoi on a dit les dominateurs des peuples avaient délié Joseph. Et puis, maman, le mec, pour cons à maman, maman, t'as les personnes. Du peuple du monde. Il y a ma bonté au plus marocain. Il a donné l'ordre de délivrer Joseph. Il y a personne qui marocain avait pas le Joseph. C'était Pharaon qui était le roi des rois de la terre. Zobene, les rois, la femme, ils avaient dit qu'ils ont conçu à la cause de ma vie. C'était pour montrer cela. Ils n'avaient dit pas la bonté de Israël. Ils l'ont faisait avec la puissance de Satan. Il y a un mec qui s'en a mouillé à Satan. Après l'Égypte. Et merci, mais on voit aussi la Syrie s'élever sur la terre. Donc, voilà qui t'a su le retour, maman, ma belle. On a vu Babylone avec Nebuchadnezzar. Donc, voilà qui t'a Babylone dans la Nebuchadnezzar. On a vu aussi le Mède et le Perse. Et puis, voilà qui t'a Mède et le Perse. On a vu aussi l'Empire grec. Donc, voilà qui t'a Empire de la Grèce. On a vu aussi l'Empire romain. Donc, voilà qui t'a Empire de la Rome. Et aujourd'hui, ça continue. Mais les lois, elles ont combat. Toutes ces puissances-là. Pas de consignes, soit là. C'est comme la bête qui est assise sur les eaux. Et là, on voit la niama et Fanny Nicolas Maï. Mais David, qui est l'autre Seigneur Jésus-Christ, et la Nicolas dit Jésus-Christ, il mettra sa main sur la mer. Il a continué le mot qu'on a eu dans le monde. C'est l'avenir qui viendra écraser la puissance de Satan. Niama et Nicolas, pas à mouiller à Satan. Ça veut dire ceci. Lorsqu'Adam a perdu le pouvoir, Adam, vous dites qu'il est au pouvoir. Pour récupérer ce pouvoir là. Et c'est là qui monte mon voyage soit bouillant. Et Dieu lui-même, Benjamin, il se fait fils. Il est venu. Aïe. Mais pour récupérer ce pouvoir là, si pour il devait passer par les souffrances. Et c'est là qu'il est allé passer. Il devait passer par la croix. Et c'est là qu'il est allé afin qu'on puisse lui restituer l'autorité que l'homme avait perdu. Et quand il a vaincu, il est ressuscité. Il dira à ses disciples, ton pouvoir m'a été donné. Amen. 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 Il dira, ton pouvoir m'a été donné. Sur tout être qui vit sur la terre. Il s'assoit dans les cieux. Qu'elle s'assoit sur la terre. Qu'elle s'assoit sur les morts. Qu'elle s'assoit sur le monde présent. Qu'elle s'assoit sur le monde à venir. On lui a donné le pouvoir sur tout. Amen. 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 On lit d'abord l'écriture d'Hébreu. J'aurais dit aujourd'hui, supportez-moi. On va vraiment lire la Bible. Donc, on t'a apaisé du milliard. Amen. On dit ceci. Dans la Bible, le verset 1er, jusqu'au verset 4. Après avoir autrefois, Nambala, Nabalolengue, mon copain Moussousou, après avoir autrefois, Sima. Nabatambo et les camps à plusieurs reprises Nabalolenge et Belé et de plusieurs manières et bien Nabalolenge et Belé à Koloba à plusieurs reprises Nakobandelaka, Bandelaka, Bandelaka Nakobandelaka, Bandelaka et de plusieurs manières et bien Nabalolenge et Belé cela veut dire Dieu et dit Koloba qui parlait aux gens Nakobandelaka, il ne faisait que répéter la même chose. Mais il change de manière. De plusieurs manières. Et Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Mais dans ces derniers temps, Nicolas, dernier, Nicolas Souka, Dieu nous a parlé par les fils. Et qu'il a établi héritier de toutes choses. Amen. Amen. Par lesquels il a aussi créé le monde. Et qui ce fils-là est dans les réflexions.
révéler sa gloire. Et l'empreinte de sa personne. Et vous voyez ces écritures ici. Ce sont des écritures qui attestent vraiment que Jésus, malgré le Fils, malgré qu'il est béni, il est aussi le Père, le Dieu véritable. On dit il a l'empreinte de sa personne. Dans notre version, on a dit, il est ce que vraiment Dieu est. On dit l'empreinte de sa personne. Si vous allez dans les maisons, où vous allez voter, hein? On dit que ici on vote par l'empreinte digitale. L'empreinte, si Dieu et Jésus sont deux personnes différentes. Et Awa, non, je dis si. Sont deux personnes différentes. Et que l'un vient voter le premier. Et m'envoyer à voter le monsieur. Il pose son pouce là. Il part. Okay. Et son fils vient. Il pose aussi son empreinte. Il pose sa pouce. Ça va signaler là-bas qu'il veut frôler. Ça va signaler là-bas. Qu'il était déjà ici, il veut frauder. On dit qu'il est l'empreinte de sa personne. C'est la même personne. Quand il vient, il prend son pouce. Il part. Okay. Jésus aussi vient. Yes, hein? Dans le royaume des trinités. Il pose aussi son pouce. Ils seront dans le trouble. Ils ne savent pas que le Fils lui-même, c'est le Dieu véritable. Paul, il savait vraiment que Jésus est Dieu. Les attributs pareils, on ne peut pas donner à quelqu'un d'autre s'il n'est pas Dieu. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Ce fils-là a fait la purification des péchés. Et il s'est assis à la droite de la majesté divine. Dans les lieux très hauts. Il est devenu d'autant supérieur aux anges. Qu'il a hérité de nos plus excellents que les leurs. Amen. Donc quand il est venu sur la terre, il est passé par l'espérance. C'est pourquoi on dit qu'il a fait la purification des péchés. Pour faire la purification des péchés, tu dois mourir à la croix. Et après cela, il est allé s'asseoir là-bas à droite de la majesté divine de Dieu. On est cette place-là. Quand Dieu te place là, tu es au-dessus des anges. Et tu reçois un nom plus excellent que le leur. Amen. Amen. Ok. Quelqu'un avait dit quelque part. On a posé un pasteur la question. Quand on dit, Christ, il a obéi. Christ, il a tout jusqu'à la mort. Qui nous a dit? Même à la mort de la croix. Et quand il a fait cela, Dieu l'a souverainement élevé. Au-dessus de tous les noms. Et lui a donné un nom. Et au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Et toute la confesse qu'il est Seigneur. Et il a dit à ses pasteurs. C'est quoi les noms là nouveaux qu'on a donné à Jésus? Comment on a commencé à annoncer.
Parce qu'il voulait le prouver. Branham est Dieu. À un certain moment, Dieu s'appelait Jésus. Maintenant, on va donner un nom nouveau, c'est Branham. Les pasteurs ont dit, c'est faux, c'est faux. Il a dit, attends, je prends un exemple dans la Bible. C'est parce que Branhamiste lui a dit. Mais parce que Branhamiste a réussi. Il a dit, c'était Abraham. Abraham. Il s'appelait Abraham. Avec Abraham. Mais quand tu as changé son nom, c'est devenu Abraham. Deuxième témoin. C'était Sarai. Mais on a changé son nom. C'est devenu Sarah. Ça, c'est la Bible. C'est pourquoi je vous dis. Il faut aimer l'enseignement. À cause des choses pareilles, tu deviendras Branhamiste de Dieu. Parce que tu seras coincé. Il faut savoir que Dieu a son langage. Vous voyez là, quand on étudiait à l'école, on nous a appris. Nom propre. Chantal. Chantal. Niclette. Josué. Yosua. Ce sont des noms propres. Il y a aussi des noms composés, des noms communs. Père. Tata. Papa. Chauffeur. Chauffeur. Ce sont des noms communs. Tout le monde peut avoir. Les noms dont Dieu parlait ici dans ses écritures, dont l'apôtre Paul parlait. Ce n'est pas un nom propre comme ça. Non. C'est le nom commun par rapport à la place que Dieu lui a donnée. Il a obéi. Qui a obéi? Jésus, n'est-ce pas? Oui. Jésus lui a donné un nom. Au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus. Ça veut dire ce nom-là a demeuré. Avant la croix. Même après la croix. Ok. N'est-ce pas? Amen. C'est ça. Ce n'est pas un nom propre. Mais c'est la place. Okay. Donc c'est ce nom-là qui fera que tout le monde puisse fléchir devant lui. On a dit afin que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Ce nom-là, c'est Seigneur. Héritier. Fils à la droite du Père. Je vous donne un exemple. Vous voyez Félix Tshisekedi. À un certain moment, il n'avait pas de pouvoir. Il n'était pas comme élu. Maintenant, à un certain moment, il est élu. On a appelé président de la République. Vous voyez ce mot-là, président. Félix Tshisekedi au-dessus de tous les Congolais. Il a élevé Joseph comme Seigneur. Quand Joseph marchait, il avait Seigneur. Tout le monde fléchissait les genoux. C'était pour montrer que le nom qu'on lui donne, c'est Seigneur. Avant, on l'appelait seulement un hébreu. C'est pourquoi
voit Jésus après l'œuvre de la croix. Na yango Yesu sima mosala ekolo. Il a été élevé comme Seigneur de tout. Ye atomba la ki lokola la kolo na nyonso. C'est ça le nom qu'on lui a donné. Ya mone komba ba pesa. Cela ne veut pas dire qu'on a changé son nom Jésus en un autre nom. Non. Ya mone komba to ba mone komba na Yesu na komba mosusu te. Hein? C'est pourquoi il est écrit Dieu n'a jamais dit à un ange. Assieds-toi à ma droite. C'est vraiment pour montrer la distinction, la supériorité de Jésus par rapport aux anges là. Parce qu'à un certain moment, le Fils a été abaissé au-dessous des anges. Il est venu dans la chair. Okay. Mais, après qu'il a vécu, il est élevé au-dessus de toute créature. On commence à l'appeler Seigneur. Alors c'est Jésus-là à qui on a remis toute chose. Aujourd'hui, nous ne voyons pas encore son règne sur la terre. Parce que c'est un problème de temps. Dieu a dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse que tes ennemis ton marche. Cela veut dire qu'on lui a donné le pouvoir. Maintenant, il y a un processus qui a débuté. Dieu doit faire de ses ennemis c'est son marche-pied. Le monde ici doit se soumettre à Jésus-Christ un jour. Jésus doit établir son règne sur la terre. Mais aujourd'hui, son règne, c'est seulement à l'église de Dieu. C'est nous les saints, sur nous, les colonnes. Lui, Jésus est en train de régner. Et que on dit qu'il est la tête du corps qui est l'église. Donc il est le roi dans notre maison. Mais dans le monde là-bas, c'est autre chose. Ce n'est pas lui qui domine. Ce sont les puissantes nations qui font la loi. Mais tout lui a été déjà soumis. Et qui te s'habille, un enfant de Dieu. Mais il n'aura pas un cœur chaud. Il pour aller faire la politique. Pour que dans la politique. Dans l'idée de changer les choses là-bas. Amen. Amen. Il ne changera pas les choses, frère. Il sera noyé au milieu des méchants. Parce qu'ils sont là pour préserver le système de Satan. Siècle, la domination sur le monde.
jusqu'aujourd'hui, au moment où je suis en train de vous parler, c'est lui qui agit dans les récits. Dans l'Amérique, les États-Unis, Grande-Bretagne, le Congo, c'est l'esprit qui est là-bas. C'est pourquoi on a vu une bête se lever de la mer pour être sur les eaux. Mais Jésus-Christ ne devait pas détruire. Il viendra terminer la domination du diable. Ne croyons pas que le salut du monde sera entre les mains des Russes. Ces gens-là, ils ne feront rien. Ils vont seulement foisonner, multiplier le mal dans le monde. Et c'est comme ça qu'ils seront toujours élevés. Vous voyez comme les géants du temps de Noé. Ce sont eux qui ont provoqué la colère de Dieu. Ça s'accomplira quand il va détruire le royaume du monde. Écoutez ce que Salomon dit. Dans un roi. Vous êtes avec moi? Ouais. Vous devez comprendre ces choses. Vraiment, elles sont à vous. Écoutez ce que Salomon est en train de dire. Je suis dans un roi. Je prends même le verset premier. Jusqu'au verset 4. On dit ceci. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Amen. Hiram, roi de Tyre, a envoyé ses serviteurs vers Salomon. Car il a pris qu'on l'avait oué pour roi à la place de son père. Et il avait toujours aimé David. Salomon fit dire à Hiram. Et puis Salomon est à l'Hiram. Tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel. Son Dieu. Pourquoi? À cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé. Jusqu'à ce que l'Éternel les eut mis sous la plante de ses pieds. Plus de calamités, des guerres, des tremblements de terre, des choses funestes,
Parmi les adversaires pour le combat ne sont plus. Et les calamités, amis, ne sont plus. Mais Bitouma, il dit que la main de parce que David, mon père, a vaincu. Et tu as mis tous les ennemis sous ses pieds. Et c'est ce qui s'est passé. Mais toi tu veux chercher la mais alors que ce sont des nations, les ennemis de David. Il y aura des temps sur la terre. Je sais que tu le vivras au nom de Jésus Christ. Amen. Ma prédication n'est pas vaine. Parce que tu es un élu. Tu vivras ce temps-là au nom de Jésus-Christ. Dieu avait dit, dans les lieux où on vous a humilié, dans les lieux où on vous a abaissé, c'est là que je vous élèverai. Nous les saints, nous sommes humiliés ici sous le soleil. Nous sommes humiliés dans le monde. Mais quand nous irons à l'enlèvement, nous devons aussi descendre pour régner ici. C'est ça. Ce sera le règne du Fils de Dieu. Mmh. Avec nous tous ensemble. Amen. 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 Là, Satan sera lié pour 1000 ans. Ok. Satan a il n'aura plus la magie. La tradition des Bayombe. Jésus va arracher tous ces pouvoirs-là. Amen. La tradition de l'Okele. Jésus va ramener toutes ces puissances maléfiques là. Oh non, la magie blanche. Oh non, les États-Unis sont prêts à passer dans la franc-maçonnerie. Jésus va leur enlever ça. Il va lier Satan pendant 1000 ans. Ça. On dit, hein, dans le Fils de l'homme, on lui a remis le pouvoir. Vous connaissez ce qu'il a fait? Il a tué l'animal. L'animal dont je viens de vous parler. Vous avez dit ça dans la dernière secte. Amen. Jean, l'animal que Jean a vu, Daniel avait continué les récits. Daniel est hier à combattre les choses. Il a vu l'événement jusqu'à la fin. Il a vu vraiment le Fils de l'homme venu. Il a tué l'animal. L'animal insulté Dieu. Il a blasphémé. Le Fils de l'homme l'a tué. Il a pris son corps. Il l'a jeté dans le feu. Il a regardé d'autres animaux. Il a été resté en vue. Il a dit, vous allez m'adorer. Je ne veux pas vous tuer. Il les a seulement dépouillés de leur puissance. Il les a donné une prolongation de vie. La prolongation de vie, c'est 1000 ans. Ce n'est pas 15 minutes de football. Prolongation. Et non, c'est 1000 ans. Il a dit, je vais vous montrer ma gloire. Où je ne vais pas vous jeter à l'enfer maintenant. Mais je vous dépouille seulement de votre puissance. On dit, les peuples les servir. Et après cela, les dominateurs des peuples les servent. Parce qu'il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Amen. Tout pouvoir lui a été donné. Et c'est lui le véritable David. Tout pouvoir. Vous savez, hein? L'écriture que j'avais lit, dans le psaume, le chapitre 23, on dit tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Amen. 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 Amen.
et tu moins. Et ma coupe déborde. Et vous allez écouter les gens. Tu nous resteras moins tard. Tu nous resteras moins tard. Même littéralement comme ça. Tu ne sais pas ce que ça signifie. C'est pas parce que ces paroles-là sont belles. Amen.
Amen. Qu'il soit béni à jamais. Qu'il soit béni à jamais. Amen. Amen. Nous allons baisser nos têtes. Bénir seulement le Seigneur pour les cultes de ce soir. Il dit Seigneur, j'ai reçu tout ce que tu avais disposé dans ces cultes. De la parole aux exploits. J'ai dit, j'ai tout reçu. En commençant par la parole que tu avais disposée ce soir. Jusqu'aux exploits que tu as préparés dans ma vie. Et je te dis merci. Prie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Le Dieu véritable et la vie éternelle. Tu es le Dieu grand. Tu es le Dieu véritable. Nul n'est comme toi, Seigneur.